Bonjour à tous. C'est vrai que toutes les dernières vidéos c'était assez déprimant, donc je vais vous remonter le moral à fond parce que je vais mieux aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer ça synthétiquement. En bref, le psychiatre a vu que j'allais mieux tout simplement déjà parce que je ne pleure plus. Je suis zen, je réfléchis pas, je rumine pas comme je fais d'habitude. Ouais, je ressasse pas les choses. Ensuite, il m'a expliqué qu'effectivement, je ne peux pas avoir deux neuroleptiques, l'Abilify et le Xeroquel. Donc, on va baisser le Xeroquel. Et ça, je suis super contente parce que je prends beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc, du coup, là, bon, ça sera une transition. Encore une fois, ça va être dur. Mais j'ai le lithium qui est solide, qui est là, qui est bien. Donc, ça, c'est super. Ensuite, l'Abilify, ça marche super bien parce qu'en fait, ça enlève les hallucinations, ce qui enlève l'angoisse. Ce qui enlève la dépression. En fait, c'est une sorte de 3 en 1. Donc voilà. J'aurais peut-être plus besoin de Valium non plus. Bon, là, il me casse au Valium. Donc, du coup. Mais même, je veux dire, je l'ai pris il y a longtemps à midi et ça va très bien. Hein. Donc, je suis super contente. Et en plus, donc, comme je l'avais dit, j'ai rencontré donc, une personne qui est très empathique. Qui prend le temps d'attendre, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça, c'est assez incroyable. J'ai jamais connu un mec comme ça, surtout en rugbyman, encore moins. J'ai l'impression de retourner dans mes années d'adolescence où c'est platonique. Et franchement, ça fait du bien. Juste ou un câlin, ou juste regarder les nuages parce qu'on était sur une plage. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une plage, c'est un étang, enfin, mon grand étang. Avec une plage de sable, donc on a marché je sais pas combien d'heures là pour y aller, pour revenir. Et j'ai pris le soleil, alors apparemment j'ai des taches de rousseur, donc je découvre mon nouveau visage, je découvre mon nouveau corps parce que là, en fait j'ai minci, mais de ouf, je sais pas comment je peux faire ça, mais j'ai minci quoi. Après bon voilà, donc je me vois différemment, je me sens bien dans mon corps. Les vidéos ça va, les photos ça va, mais c'est juste que j'ai du mal encore à me voir dans le miroir. Mais ça va. Aujourd'hui, je me suis regardée, je me suis dit, bon, ça va, bon, voilà. C'est pas encore ça, mais ça va. Donc, ça, c'est à travailler, bien sûr. Voilà, j'ai mis des roses de mon copain, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, voilà. Et en tout cas, ça fait du bien. Il est arrivé au bon moment dans ma vie parce que là, je suis traumatisée. Mais ça va. Et même lui prend le temps d'habitude. Donc, c'est assez incroyable. Quoi dire d'autre? Normalement, la psychothérapie, auto-psychothérapie, ou pour se relever après un choc, pour passer au-dessus. Franchement, honnêtement, je pensais même pas pouvoir y arriver. Je sais même pas comment j'ai. Je vais même pas donner de conseils encore une fois parce que je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, je crois que c'est les médocs qui ont aidé beaucoup. Et le soleil. Et ce gentil garçon. Même si c'est un rugbyman, c'est un nounours à l'intérieur. Donc, en plus, on était au train. Et dès qu'il y avait un train qui passait, mais oh my god, je le serrais fort avec ses gros bras de rugbyman là, et je le serrais ça, je me mettais les mains sur les oreilles. Franchement, je donne un conseil aux gens qui veulent faire des films d'horreur, vous allez à la gare à côté de l'hôpital psy à Brumath, vous filmez un long train passer, c'est bon, moi j'ai peur. C'était horrible le bruit. Et en fait, moi, ça m'a rassurée. Moi, il me fallait un rugbyman, hein, un mec fort pour me sentir protégée. Même si je sors dans la rue avec lui, je suis tellement hypersensible. J'aime pas me faire agresser. Enfin, personne n'aime se faire agresser. Je me sentirais protégée. J'ai toujours ça parce que je me protège, justement. Voilà. Donc, voilà. Donc, que du positif. Voilà, il y a du soleil, je sais pas quoi vous dire d'autre. Là, ma vue, bon, je sais pas si on va voir grand chose, mais j'ai quand même vu sur des arbres, etc. Donc, de toute façon, je suis jamais dans ma chambre, moi, je suis toujours à la cafétéria, sans rien prendre. Je mange très très. Alors, si j'ai un conseil à donner
Pour l'alimentation, donc comment j'ai minci, parce que j'ai quand même, là, il faudrait que je me repèse, mais moi je pense que là je suis à moins 40 kilos quand même, parce que je suis encore plus mince qu'il y a 5 ans, je crois. Donc en fait, en bref, je marche 10 000 pas par jour. Donc normalement, ceux qui ont des smartphones qui sont assez dernière génération, bon, le mien il a un an et demi, sur je vais pas dire de marque, sur un téléphone japonais, je crois. Il dit, même quand on allume juste l'écran, il dit combien de pas on a fait. Moi, je marche en général en ville 10 000 pas par jour. Là, à la campagne, je suis à plus de 15 000 pas par jour. Donc, ça fait à peu près, donc on va dire 17 000 pas le jour. Ça fait 12 km à moins 500 calories. Donc, de marcher, donc comme Michel Simas dit, il faut marcher au moins 6 000 pas, au moins c'est normalement 10 000 pas. Et manger équilibré. Et moi, je rajoute petite portion. Je mange très très peu et équilibré. Bon, ici, évidemment. Mais je vais continuer à l'extérieur parce que j'ai pris goût à tout ça. Tout simplement, si vous êtes en train de marcher, vous avez une fringale. Moi, je prends une banane et de l'eau. Ou alors de l'eau aromatisée. C'est moins calorique qu'un Coca ou un Fanta. Ça, c'est le seul conseil que je peux donner parce que je ne vais pas dire que je suis une experte. J'ai minci malgré moi. Mais je me sens bien dans mon corps. Enfin. Enfin. De 30 ans, il était temps. Donc voilà, je sais pas ce que mon voisin fait. voilà, donc très, très très bonne nouvelle, ça va beaucoup mieux. J'ai aussi éliminé des gens de ma vie, on va dire, quand je dis éliminé, c'est-à-dire je ne parle plus à certaines personnes, je vais pas dire qui. Là, c'est même pas de la même personne que je parle d'une autre vidéo, c'est encore quelqu'un d'autre. Et comme j'ai fait le tri un peu et que j'ai réalisé qu'il n'y avait en fait que des gens nocifs autour de moi, pratiquement, du coup, bah, je me retrouve sans personne, mais je me referai des nouveaux amis. Voilà, je verrai. C'est pas le plus important pour l'instant, parce que vu que personne n'était là pour moi, ça change pas grand-chose. Donc du coup, enfin, à part vous les followers, ça c'est assez impressionnant, tous les appels, messages, tout ce que vous avez fait pour moi, enfin le soutien, c'était assez incroyable. Donc je vous remercie, c'est grâce à vous que je suis en vie peut-être. Et aussi, je veux rajouter que quand on prend des médicaments comme moi depuis 10 ans, ça, ils nous l'avaient dit, un petit peu d'éducation, au bout d'un moment, on perd du poids. Parce que le corps, il s'habitue aux médicaments, hein, c'est comme la cigarette presque. Les poumons, ils s'habituent, parce que moi, je suis asthmatique et je fume. Mais au moins, je bois pas d'alcool. Ah oui, ça, c'est un autre conseil, de pas boire d'alcool. Déjà, parce qu'on peut faire une overdose. Et aussi parce que ça fait grossir la mort. Je crois qu'un verre de whisky, c'est je sais pas combien de calories. Bon, moi je bois pas du whisky, mais. Donc voilà, bon, plein de choses, voilà. C'est un peu mieux dans ma tête, dans mon corps, dans plein de choses, et voilà. Donc je suis super contente, et merci à tous, parce que vraiment, vous avez été plus là que les gens proches de moi, donc merci beaucoup. Et bah, souhaitez-moi bonne chance pour la suite, parce que là, quand ils m'ont diminué le Xeroquel, j'ai peur. Mais comme dit, le lithium est là, donc et puis l'Abilify sera là, donc normalement ça devrait aller. Le psychiatre a dit que c'est une histoire de semaine, donc j'attends au soleil, et puis on verra. Voilà. Gros bisous, ma mère.